Alors voilà, je vais donc expliquer dans ce film ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire de la peinture évidemment, sur le mur. Voilà. Donc, alors, je vais enlever ce truc. Je vais enlever ça. C'est dommage si on voit pas la lune. C'est vraiment dommage. Donc je vais refaire un plan général. Voilà. Sur la fresque. De gauche à droite. Ça fait 4 mètres à peu près. Voilà. Alors. Donc là, on est le 29 juillet. Donc, depuis quelques jours, là, j'ai travaillé surtout sur le côté droit. Voilà. Donc, monument de vallée. En premier, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, c'est rocher, voilà, la route, tout ça. Voilà. C'est pas encore fini, loin de là. Loin de là, je dis bien. Ensuite, ben, j'ai fait l'aigle. Voilà. Voilà, tout ça j'ai pris modèle évidemment. Voilà, l'éclipse. Ça c'est ce que j'ai fait en le moins de temps. Voilà, c'est ça qui a été le plus rapide à faire pour moi, c'est l'éclipse. C'est pas bien compliqué. Le signe en haut. Voilà, en haut de la bouteille de Coca-Cola. Voilà, la fameuse bouteille. Que vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à faire parce que c'est génial d'entrer dans les détails et de rendre vraiment du relief et côté humidité, côté vert, tout ça, côté donner envie de donner soif quoi, voilà, donner envie de boire. Voilà, donc ma bouteille Coca qui fait je rappelle donc 87 cm de haut, je l'ai mesuré, voilà, 87 cm. Donc, alors ici, je vais peut-être rajouter un petit manchot qui regardera la grandeur de la bouteille ici, ça sera marrant. Voilà. Là en haut, des dauphins qui vont sembler surgir comme lui des nuages, ce sera, sauf que ce sera de l'eau, voilà. Donc des dauphins ici, et puis là des étoiles de mer et des méduses en haut. Voilà, qui sembleront vraiment s'envoler vers le ciel au lieu que ce soit dans la mer. Voilà. D'ailleurs, je vais faire des effets un peu de aquatique si je peux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, là je vais rajouter un soleil ici. Voilà, pour rajouter, il soit bien au milieu ici, rajouter la lumière là sur les. Faire un effet de d'ombre et de lumière. Voilà. Donc bon bah ma route, hein, il faut que je la refasse parce que elle n'est pas régulière. Ici c'est beaucoup plus bas et là c'est beaucoup plus haut. C'est bombé ici, ça va pas. Donc il faut que je repasse, en fait que j'efface. Il faut que j'efface cette partie-là avec un grattoir. Ensuite un coup de gesso et je repasse. Puis enfin bon, je vais arranger ça quoi. Voilà. Donc ça c'est la partie de droite. Voilà. Voilà. C'était long à faire, mais c'est pas fini encore, loin de là. La montgolfière sur laquelle je vais mettre un extraterrestre parce que ça épouse bien la forme d'un humanoïde avec marqué ici I believe et je vais essayer de nous inclure Sylvain et moi là. Ça serait assez sympa. Donc l'arc-en-ciel que Sylvain m'a conseillé d'accentuer. C'est vrai qu'on ne le voit pas assez. Il s'est filé effacé, je trouve. C'est vrai, il est en retrait. Là, je vais rajouter maintenant que je me rends compte que c'est possible. Le robot de Kraftwerk ici, comme dans mon croquis au 1/16. Voilà, j'avais prévu de le mettre donc ici, le robot de Kraftwerk. Voilà mon croquis. Dans les montgolfières, les pyramides d'Égypte, tout ça. Là, j'avais prévu un sumo, mais ce ne sera pas un sumo finalement, ce sera un aborigène d'Australie. Voilà, donc l'éclipse, ça c'était fait, prévu, ok, Grand Canyon. Là j'ai prévu des manchots ici, et puis finalement ben, ce sera peut-être un truc en rapport avec les Indiens d'Amérique. Là j'ai prévu des trucs des années 70, machin, et finalement ce serait des trucs aquatiques. Et là les trucs aquatiques, et finalement c'était l'aigle que j'ai mis, donc ça a été chamboulé. Voilà, j'avais prévu de mettre Mini ici, là, juste ici, là au-dessus, voilà. Finalement, je ne la mettrai pas là parce que je veux vraiment que ce soit épuré. Je veux qu'on ait l'air de. Voilà. Qui rien, quoi. Que ce soit un peu le côté plénitude. Pas de moto, pas de bagnole, rien. Qu'on soit seul et qu'on s'évade. D'où le titre Évasion ancestrale, mais qui va finalement devenir Itinéraire ancestral. Parce que c'est un itinéraire. On passe vraiment par plusieurs pays.
On passe par l'Australie, l'Égypte et puis évidemment les États-Unis. Et peut-être un petit peu l'Antarctique s'il y a un manchot. Et puis l'Allemagne à crâne vert, les robots, voilà. Donc dernièrement, les jours derniers, là, voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait le fameux joueur de didgeridoo. Alors là j'ai encore du boulot évidemment parce que il y aura les motifs ethniques à faire sur tout le didgeridoo. Voilà. Voilà donc mon joueur. Et voilà les signes que j'ai. Alors là, je suis content parce que la main, elle est réussie. Voilà, les pieds aussi, tout le reste. Enfin bon, ça va, ça me convient. Et là, je suis super content. La lune. Voilà. La lune en éclipse. Alors ça vraiment, je suis super content. J'en ai même des frissons tellement ça m'a plu. Et le koala que j'ai refait parce que il était pas ressemblant, mais là ça va, là il me convient. On voit que c'est un koala. Voilà. Donc la lune en éclipse. Là, je suis très content de ça. Et puis là, les derniers coups de pinceau que je viens de passer, donc aujourd'hui, en ce 29 juillet. Donc évidemment, hein, c'est que le début. Voilà, donc là il y aura le sphinx, les pyramides et la soucoupe volante ici en haut pour signifier un petit peu la thèse des anciens astronautes. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc tout récemment. Les derniers jours. Voilà. Donc ça, Sylvain, il n'a pas vu, lui, il était commencé, mais c'était vraiment le squelette, on va dire. Il n'y avait pas grand-chose. Le koala, il l'a pas vu, ni la lune, il va découvrir ça. Et puis là aussi. Mais là, j'en suis vraiment au balbutiement ici. Hein, voilà. Mais je crois pas qu'il y ait autre chose à rajouter. Si, peut-être une deuxième montgolfière. Voilà. Une deuxième montgolfière ici ou là. Enfin bon. Donc voilà, il y a encore pas mal de travail, malgré le fait que ce soit déjà bien rempli. Voilà. Vue générale, voilà, avec les affaires qui traînent un peu à côté, hein, tout le matériel, bien sûr. Voilà, ça c'est pour ramasser les crottes, évidemment. Et ça, bon, bah, l'échelle, et moi j'ai fait la connerie de laisser ça, maintenant c'est tout liquide, hein, ça a pris toute la pluie, là, c'est nul, quoi. Bref. Voilà, alors là, ce sera l'autre mur à faire. Alors là, il y a du boulot. Là, j'ai passé du gesso. Je ne vais pas expliquer ce que je vais faire, ce serait trop long, trop. Voilà. Hein. Lui, il est toujours en train de dormir. C'est bien. Voilà. J'ai acheté ça à Jiffy. Je trouve ça super mignon. Et ça, c'est mes. Voilà, ça, c'est mes trucs que j'aime bien, ça. Bon, voilà. Les petits pendentifs tam-tam. Et donc là, je vais faire. Alors ici, je vais faire le Taj Mahal. Et ça s'appellera, alors je voulais que ça s'appelle, je l'ai même marqué d'avance, je voulais que ça s'appelle Asie Cosmique, et finalement, ça s'appellera peut-être plutôt Féerie Asiatique, ou Féerie Orientale. Pourquoi? Parce que, voilà, parce qu'en fait, là il y aura le Taj Mahal, ici, là il y aura une planète avec Shiva sur la planète, et de cette planète va émaner en fait toute une végétation qui va devenir le Taj Mahal. Et il y aura d'autres planètes comme Saturne, Jupiter, en rapport avec la mythologie, enfin un truc vraiment très cosmique, on va dire. Ça pourrait vraiment s'appeler, vas-y, cosmique, enfin je vais voir. Ici, mon Bouddha ventru, qui émanera d'une fumée par un vieillard, un vieil asiatique ou un vieux, je sais pas, enfin bon, peu importe, un vieil hindou, voilà, enfin on sait pas trop, on verra. Et puis là, je vais rajouter des trucs, j'en sais rien encore. Voilà, ce sera improvisé, j'ai pas encore. Enfin, je trouverai bien, quoi. Voilà. Tiens donc, pas où? Ah ben voilà, il s'en va. Bon. Et puis là, Mini. J'aimerais bien la mettre ici, Mini. Parce qu'elle est souvent là. Donc ce serait une façon de. Bah voilà, de l'immortaliser, quoi. Voilà, puis alors, je sais pas où ça va s'arrêter. Je vais faire un truc dégradé pour que voilà, ça se voit pas trop. Et voilà, donc. Voilà, là j'écoute la musique, c'est bien. Je peux peindre en écoutant la musique. Voilà, j'ai mes modèles hein, que j'imprime maintenant que l'imprimante elle marche. Donc voilà. Donc en même temps, on peut voir que le jardin est bien épuré maintenant hein, par rapport à avant. Voilà à quoi ça ressemble. Alors de loin, voilà ce que ça donne quand on est par exemple à table, de ce que je vois moi. Voilà. Voilà. Et puis bon, bah ça, ce sera à vendre ce truc-là.
Ça, ce sera à mettre à la déchetterie. Enfin, il récupère ça à Méry-sur-Oise, là où travaillait Sylvain, et puis il donne de l'argent, je crois, pour ça. C'est des batteries. Enfin, bon, vraiment, voilà, s'en débarrasser. Et pour finir, je veux juste montrer les petites installations de Sylvain, qui est génial. Voilà, il a mis des ampoules un peu partout, des ampoules à LED. Et le soir, les stalactites aussi. C'est génial, ce truc. Et c'est vrai, et ça éclaire super bien, franchement, ça. C'est génial quoi, ça donne une ambiance tamisée. Enfin, dès qu'on éteint, on voit plus rien quoi, c'est ça qui est bien. On voit vraiment, vraiment bien avec ça quoi. Voilà, donc voilà les branchements. Voilà, enfin bref. Ça va aller en déchetterie. Voilà. On se débarrasse, on se débarrasse. Et voilà, terminé.